Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission Coffee NetTV Channels. Alors nous sommes dans les locaux du cabinet Finot et Associés à Brignais, près de Lyon. Donc Alexandre Aufauvre et moi-même sommes très heureux d'accueillir trois entrepreneurs qui vont donc présenter leurs activités. Nous parlerons ensuite des rencontres networking et des rencontres business. En effet, les entrepreneurs nous livreront leur vision du networking. Alexandre Aufauvre et moi-même fermerons la marche et présenterons nos activités respectives. Catherine Chauffat est avec nous aujourd'hui. Catherine, bonjour. Bonjour Anthony. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi et sur ton activité? Alors donc moi je suis consultante et formatrice en management d'entreprise. Donc je m'occupe d'aider les entrepreneurs à créer leur activité ou à développer leur entreprise, puisque je travaille sur la mise en place de projets. On va travailler sur la stratégie d'entreprise à partir de l'étude commerciale et sur le modèle économique et financier à partir des éléments donc, de gestion financière. Et j'ai créé il y a un an Club Crea'firm, dont l'objectif est d'aider les chefs d'entreprise à obtenir les compétences dont ils ont besoin. Donc j'ai créé un label et je labellise un certain nombre de partenaires dans les domaines de la communication, du marketing, de la finance, de l'immobilier, de l'informatique, enfin tout ce dont le chef d'entreprise a besoin. Et donc nous proposons du conseil, des formations, des soirées réseau, toujours pour accompagner le chef d'entreprise dans le développement de son activité. Et je me permets d'ajouter, je termine après ça, que je suis vice-présidente Rhône-Alpes de l'association Actionnel qui accompagne les femmes entrepreneurs. Eh bien, merci beaucoup Catherine. Eleonore Fourcine est avec nous aujourd'hui. Bonjour Eleonore, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton activité? Alors, je suis naturopathe. La naturopathie est la troisième médecine traditionnelle reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, après les médecines chinoises et ayurvédiques. Et donc en naturopathie, nous avons une vision de la santé qui consiste à aider les gens à instaurer une bonne hygiène de vie au quotidien par des petits gestes pour justement prévenir les déséquilibres, puisqu'on considère que c'est dans le temps et avec l'accumulation de petites choses, de petits excès ou de plus grands excès que les problèmes peuvent survenir. Donc mon activité est de deux types, donc une activité de thérapeute classique en cabinet où je reçois des patients, donc des patients qui ont des troubles chroniques pour la plupart, et puis une activité de conseil aux entreprises, donc sur la santé, la prévention et le bien-être dans le monde du travail, puisqu'on sait que c'est une problématique auquel les entrepreneurs s'attachent de plus en plus, puisque le bien-être de chacun contribue énormément bien sûr à l'activité, à la réussite de l'entreprise dans sa globalité. Eh bien merci Eleonore pour cette présentation. Franck Chavet va maintenant s'exprimer. Mon cher Franck, c'est à toi de te présenter. La parole est à toi. Bonjour Anthony, donc Franck Chavet, je suis gérant de la société Agice Conseil depuis 5 ans. Donc j'ai créé cette société pour venir en aide aux chefs d'entreprise, pour la mise en place d'outils de gestion. Donc les tableaux de bord, les prévisionnels de trésorerie. En fait, j'essaie d'accompagner le chef d'entreprise donc mensuellement, généralement, pour l'aider à avoir les bons indicateurs de gestion afin d'anticiper les actions à prendre en vue de son bilan de fin d'année. Ma deuxième activité, c'est d'accompagner les porteurs de projets, donc de l'élaboration du business plan ou la signature du protocole de vente. Donc là, on a un processus qui peut être très long, on met entre 3 et 8 mois. Afin d'avoir des dossiers qui soient présentables au point de vue des banquiers et évidemment à tous les institutionnels qui sont RDI, OSEO. Donc voilà. Et donc sinon, pour finir sur mes activités, je fais aussi l'évaluation et transmission d'entreprise. Donc là pareil, j'accompagne les chefs d'entreprise qui désirent soit acheter, soit revendre leur société. Donc de la recherche de cibles, pareil à la finalisation de la signature, en passant par l'audit des comptes sociaux, fiscaux et comptables, et ainsi que la validation du projet dans un avenir. Voilà. Et donc depuis le mois de septembre 2012, je commercialise la solution Small Business Act. Donc c'est une solution online dédiée aux chefs d'entreprise qui permet donc d'avoir une gestion de la trésorerie quotidiennement, d'avoir des relances clients tous les vendredis et d'avoir des indicateurs de gestion en fin de mois. Cette solution est très très simple d'utilisation puisqu'il suffit juste d'être équipé d'un scanner que la solution Small Business Act vous fournit et tous les jours vous allez scanner vos factures, elles sont reprises automatiquement dans un plan comptable classique et les banques sont récupérées directement via des robots. Donc c'est une solution qui est très innovante, c'est une start-up parisienne qui a maintenant 2 ans d'existence et 5 ans de développement avant. Voilà. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est un outil d'avenir. Merci Franck pour cette présentation. Alexandre Aufauvre qui anime avec moi cette émission. Bonjour Anthony. Je te laisse te présenter mon cher Alexandre. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Donc, Alexandre Aufauvre, moi je fais de l'analyse économique et du conseil en stratégie. J'ai créé ma propre activité depuis octobre 2010. Donc je travaille auprès des PME. Alors j'ai travaillé dans un premier temps auprès sur Lyon avec les commerçants et les artisans, commerce de proximité. Et aujourd'hui je travaille essentiellement avec pour cible et pour client les PME. Donc mon activité consiste en tant qu'analyse, au niveau analyse économique, à évaluer et à étudier les flux commerciaux, politiques, géostratégiques, économique, etc. Au niveau du monde, dans le monde. Je travaille essentiellement entre les pays continent asiatique, le bloc Europe et le continent américain. Et donc mon travail c'est de comprendre quelles sont les données économiques qui se passent dans le monde et de les analyser pour pouvoir les traduire auprès des entrepreneurs en tant que consultants sur de l'ingénierie managériale, de l'ingénierie commerciale ou de l'ingénierie financière. Et donc j'aide les PME, comment dire, à voir un peu plus clair ce qui se passe dans le monde et en fonction de leurs besoins en termes de développement et autres. Moi, mon activité donc c'est de les aider à se positionner sur leur marché avec un œil aiguisé sur ce qui se passe au niveau des dynamiques économiques concernant leur marché. Voilà. Tu vas peut-être te présenter, Anthony, toi aussi. On arrive à la fin des entrepreneurs, donc je vais te laisser la parole. Eh ben, avec grand plaisir. Donc Anthony Rochand, moi je suis Community Manager. J'anime des rencontres networking depuis 2008 maintenant. De ce fait, j'ai créé les Cafés d'Anthony en septembre 2010. Qui est aussi une agence de community management et de stratégie digitale pour les entreprises. Donc j'élabore les stratégies de présence pour les entreprises, les stratégies de présence réseaux sociaux. Je gère de ce fait leur e-réputation et leur image. À côté de ça, je suis également rédacteur pour différents blogs qui traitent des médias sociaux et du networking. Je suis moi-même blogueur et gère différents blogs. Et sinon, je suis aussi également cofondateur avec Alexandre Aufauvre de NetTV Channels, donc une web TV qui traite des sujets entrepreneurial, networking, NTIC et maintenant divertissement. Ce qu'on peut préciser, c'est que NetTV Channels, vous pouvez nous retrouver sur un canal dédié qui est le canal YouTube, NetTV Channels. Depuis le 12 février, on a lancé la première émission, donc on a 3 émissions qui tournent. Et on est en train de développer aussi NetTV Channels Culture, toujours sur YouTube, qui est dédié plus à la musique et à la culture. Voilà, c'était pour amener une petite précision. Il faut savoir aussi que, dernière chose concernant NTC, on aura bientôt un site en ligne sur lequel on est en train de travailler avec Anthony, justement, pour pouvoir concentrer un peu toutes nos réalisations sur un même point, puisqu'on peut nous retrouver sur YouTube, sur Facebook et autres, mais on va, voilà, donc un site sera bientôt en ligne pour alimenter tout ça. As-tu d'autres choses à préciser? Non, je crois qu'on a fait le tour concernant les présentations. Moi, je veux juste en profiter pour amener une petite précision. Je n'ai pas mentionné le nom de mon activité. Mon cabinet s'appelle Business Resources. Voilà, comme son nom l'indique, il sert à gérer les ressources business. Voilà. C'est la deuxième partie de ce plateau TV. Donc, après la présentation des entrepreneurs qui sont ici présents avec nous, on va se positionner, on va réfléchir un peu, enfin on va vous donner la possibilité de vous exprimer maintenant sur la partie pour qu'un entrepreneur se développe et pour qu'une entreprise se développe, il faut un réseau. Donc on voulait savoir un peu, vous, comment vous viviez le réseau, comment le réseau, ce que le réseau vous apportait. Est-ce que vous êtes plus proche du réseau, ce qu'on appelle IRL, in real life, ou plus proche du réseau networking? Tout simplement, donc réseau networking, réseau internet, évidemment, tout ce qui est sociaux, médias et autres. Catherine, je vais te laisser la parole et puis tu vas nous dire un peu comment toi tu travailles avec les réseaux. Ouais. Donc moi, ça fait à peu près 2 ans que je fais du réseau IRL, donc physique. J'ai démarré avec les Cafés d'Anthony. Voilà, donc 2 ans de parcours ensemble. Pourquoi j'ai commencé à faire du réseau physique? Parce que quand on fait du B2B et quand on est consultant surtout, je pense qu'il est important de travailler par la recommandation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les entreprises, pour choisir un consultant, ça se passe par la recommandation. Donc en fait, mon objectif en allant dans les réseaux physiques, c'est pas de trouver mes clients directement, mais par contre, c'est de me faire connaître d'un certain nombre de personnes, de me faire connaître d'autres consultants qui vont avoir la même cible que moi, qu'on apprenne à se connaître et que ça me permette à terme de me faire recommander, d'être informée des besoins de certaines entreprises, etc. etc. Donc j'en fais beaucoup, surtout qu'à Lyon, il y a de quoi faire. Il y a énormément de réseaux. Ça m'a permis de trouver mes associés. Ça m'a permis de trouver mes différents partenaires labellisés. Voilà, une grande partie sont présents aujourd'hui sur ce plateau. Et donc je trouve que c'est sûr qu'en termes de retour sur investissement, chiffre d'affaires, bon forcément c'est pas encore ça, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est sur le long terme, parce qu'il faut aussi qu'il y ait de la récurrence, que les gens apprennent à nous connaître et aient confiance pour nous recommander. Donc c'est une démarche qui est assez longue, mais je pense qu'à terme, ça peut payer. Après, une des difficultés, je pense, c'est d'arriver à trouver les bons réseaux qui vont vraiment nous permettre d'aller plus loin. Il y a énormément de réseaux physiques à faire à Lyon. Alors il y a des réseaux très business, limite institutionnels, comme la CGPME par exemple. Il y a des réseaux plus conviviaux, comme le Triangle ou Apéro Network. Il y a des réseaux entre les deux, comme ABC, Apéro Business Club. Mais il n'est pas toujours évident d'aller se présenter aux autres avec sa carte de visite. Du coup, moi, j'ai travaillé avec Alexandra Galetti sur une nouvelle forme de réseau physique autour du jeu de société pour permettre un vrai échange entre les participants. Alors, j'en profite, puisque tu parles de ça, effectivement, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, pour ceux qui ont un peu l'habitude de fréquenter ce genre de réseau, la mention est précise, puisque ça s'appelle le réseau ludique, il me semble. C'est les soirées business ludiques. Voilà, exactement, ouais, c'est ce qui me semblait. Ben écoute, merci Catherine de nous avoir fait part un peu de ton expérience et de ton retour. Je me tourne vers Eleonore. Oui. Et toi, que peux-tu nous dire alors sur les réseaux sociaux, comment est-ce que alors, tu t'en sers? La première chose, je rejoins tout à fait Catherine sur l'aspect recommandation, en tout cas que je partage énormément, puisque dans le domaine de la santé, on ne va pas voir quelqu'un par hasard, on va voir quelqu'un pour s'occuper de sa santé parce qu'on nous l'a recommandé, parce qu'on voilà, le bouche à oreille à un moment donné a fonctionné. Voilà, on ne tape pas une porte chez n'importe qui. Voilà. Donc ça, c'est un aspect vraiment important. Et puis, j'oublie la suite de ce que je voulais dire. Es-tu plutôt in real life ou es-tu plutôt réseaux sociaux? Et donc moi, voilà, de ce fait, voilà, je porte une importance particulière au réseau physique, et en particulier au niveau local, puisque donc moi je suis basée au nord de Lyon, et voilà, c'est important pour moi de participer aussi à la vie locale. Alors ça s'étend aussi à Lyon, mais voilà, puisque mon activité n'est pas nationale, elle est centrée dans la région, et voilà, donc c'est en partenariat avec d'autres acteurs de la santé, voilà, des acteurs du développement durable, des gens qui sont dans une problématique de nutrition, d'alimentation. Voilà, on a des intérêts communs à travailler ensemble et à réseauter ensemble, entre guillemets. Donc Voilà, donc, et le retour, l'impact est important. Et donc voilà, ben, ça prend du temps, hein. Moi c'est assez récent pour moi, c'est encore plus récent que Catherine, donc pour moi c'est vraiment un démarrage, mais je pense que c'est fondamental et qu'effectivement c'est payant à long terme. Ouais. Notre ami Franck. Ouais. Moi ça fait 3 ans que je fais les réseaux, donc j'ai commencé aussi par les Cafés d'Anthony au tout début. Donc je suis assidu au Café d'Anthony, j'ai loupé très peu. Après donc j'ai fait aussi beaucoup la CGPME. Donc c'est vrai que la CGPME c'est un grand réseau. Après l'avantage aussi de la CGPME c'est qu'il y a beaucoup d'animations dans des soirées thématiques ou aussi des soirées ludiques. Ils ont fait 2-3 événements aussi un peu ludiques. Mais c'est vrai que l'avantage aussi de la CGPME c'est qu'on a quand même il y a une image. On donne une image, on se présente au début devant 300-400 personnes, on est sur leur site, ça permet quand même de se faire connaître. C'est pas pour faire du business en fait, la CGPME. Voilà, il faut être après dans certaines branches institutionnelles et autres pour arriver à faire vraiment du business. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça permet de sortir, de voir du monde. Et ça c'est très important. Moi j'ai toujours cette phrase d'un client quand je me suis lancé en 2008 qui m'a dit: fais des réseaux, pas pour faire du business, pour voir des gens, pour sortir de chez toi. Parce que tu es tout seul. Un chef d'entreprise, il est seul. Seul la journée, seul le soir. Et ça permet justement de pouvoir voir des gens et sortir. Voilà. La grosse maladie du chef d'entreprise, c'est la solitude. C'est la solitude. Pour peu que le chef d'entreprise ne soit plus, même pas expansif, voilà. Ça peut l'enfermer dans des... Et c'est vrai que moi c'est aussi mon problème, c'est que je suis pas commercial né à la base, donc me vendre c'est très compliqué. Mon métier en plus du consulting, enfin du consultant en gestion, c'est encore plus compliqué pour se vendre, c'est une question de confiance avec les gens, donc ça met énormément de temps avant que les gens commencent à penser à vous. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de réseaux, donc je dis bon, je faisais ça, je faisais aussi Lyon, ça je fais beaucoup, en plus un petit peu par chauvinisme parce que je suis lyonnais, pour être honnête, mais c'est vrai que c'est intéressant, on repose les personnes des autres réseaux. Donc, bon, je croise régulièrement Catherine, d'autres personnes, on se croise beaucoup dans d'autres réseaux. Je fais aussi les plaisirs gourmands, dernièrement, c'est ce que j'ai fait. Donc là c'est vraiment le côté, ben, on se présente rapidement et après on mange et on boit du bon vin, parce qu'il y a toujours les vignerons qui sont là. Et pareil, là c'est des petits groupes, on échange beaucoup. Moi, je pense que c'est très important d'échanger sur des petits groupes comme les Cafés d'Anthony, c'est très très important. Voilà. On va passer à toi. Eh bien, vous expliquer tout ça en détail et précisément. Un petit peu. Donc moi, c'est un petit peu différent dans la mesure où j'ai fait beaucoup de rencontres networking dans les années 2007-2008. C'est là que tout a démarré. Tu es même à l'origine du cercle des développeurs d'affaires sur Lyon. J'avais créé le cercle des développeurs d'affaires où en fait nous organisions une rencontre networking par mois dans des lieux très différents sur la région Rhône-Alpes. Donc ça pouvait varier, Lyon, Saint-Étienne, on a fait Mâcon, on a fait Grenoble. Et puis suite à ça, je me suis rendu compte que finalement les rencontres business, les gros clubs business, c'était bien, mais on n'arrivait pas à avoir de réelles synergies parce qu'on rencontrait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, c'était pas très pertinent. J'ai plein de cartes de visite, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je suis un passionné de rencontres humaines, pourquoi pas créer un réseau qui soit plus justement à taille humaine, un petit peu intermédiaire, où justement on ait le temps vraiment d'échanger. Donc c'est là qu'est né les Cafés d'Anthony. Donc le concept est assez simple, on est une quinzaine autour d'une table, donc je limite volontairement à 15. Pour pouvoir échanger correctement, et chaque entrepreneur donc présente son activité et ensuite je lance un petit peu les discussions sur les bonnes pratiques réseau. Donc je conçois pas, moi je suis community manager, je conçois pas la rencontre l'un sans l'autre. Le community management et la rencontre IRL, pour moi c'est très très important parce que ça va vraiment prolonger le lien qu'on a pu déjà créer sur les réseaux sociaux, sur les médias et réseaux sociaux, et on va vraiment pouvoir créer des partenariats, créer des partenariats de proximité, des synergies, chose qu'on ne peut pas faire derrière son écran. Ça va plus vite certes avec les réseaux numériques, mais le dialogue est plus facile in real life, comme on dit, que derrière un écran d'ordinateur ou par téléphone. Et rien ne remplacera la poignée de main et la carte de visite. Donc ça c'est vraiment très important. Donc c'est vrai que par ce biais-là, j'ai pu créer un vrai réseau de partenaires. Donc je vais moins aux rencontres, des autres, et c'est vrai que je me concentre plus sur mes rencontres networking parce que j'aime mettre en relation les gens et j'aime savoir en plus ce qui se passe ensuite, et il y a de belles synergies qui naissent. on peut même dire que NTC est né de ces rencontres-là. NTC est né des Cafés d'Anthony. Absolument, c'est un prolongement, une continuité en fait des Cafés d'Anthony, même du cercle des développeurs d'affaires. Mmh. NTC nous a été, oui, ça a été un petit peu le détonateur. Le détonateur, le déclencheur. Oui, bah écoutez, moi ma pratique réseau, elle est simple, elle a démarré par Viadéo en 2008. Elle a longtemps été entre Viadéo et LinkedIn, puisque je faisais essentiellement du réseau professionnel à l'époque. Et quand elle s'est un peu développée autour de Facebook, après c'est vraiment là que moi tout a été déclenché, c'est avec Facebook. Moi elle s'est déclenchée sur Facebook pour deux raisons. La première raison, c'est que étant un ancien musicien, j'ai énormément d'amis musiciens qui sont sur Facebook. Et comme je suis encore un grand amateur de musique, j'ai souhaité reprendre contact un peu avec un certain nombre d'entre eux. Et puis sinon, pour ma partie vraiment business, moi je travaille beaucoup avec LinkedIn, je travaille beaucoup avec Twitter maintenant aussi, puis avec Google+, parce que je trouve Google+, beaucoup plus professionnel et intéressant pour la partie vraiment business que Facebook, même si j'ai pu démarrer pas mal d'aventures sur Facebook. Voilà, puis j'accorde une énorme part de mon réseau à de la rencontre physique aussi, parce que pour moi, une rencontre réseau ne peut pas exister si, comme tu disais tout à l'heure, s'il n'y a pas la poignée de main, s'il n'y a pas... moi j'aime avoir les gens en face de moi, j'aime pouvoir serrer une main, j'aime avoir le regard de la personne. Je peux rien faire, moi je peux pas développer un business si j'ai pas rencontré la personne, si je sais pas à qui j'ai affaire physiquement, voilà. Donc je draine beaucoup effectivement avec les réseaux sociaux, donc maintenant Google+, LinkedIn, Twitter, Facebook, voilà, moi c'est vraiment les quatre principales plateformes sur lesquelles je suis. Et après j'ai besoin effectivement que ça se précise dans le domaine du réel, voilà, entre autres avec les Cafés d'Anthony et où on a eu l'occasion de se rencontrer d'autres. On va peut-être préciser une chose, alors nous, cette émission de la fait à Lyon, puisqu'on est basé sur Lyon. Moi j'aimerais simplement préciser une chose, c'est que pour ceux qui nous regardent sur internet, ils peuvent quand même trouver dans leur ville de la rencontre réseau, où ils peuvent rencontrer des community managers, d'autres CGRG business. Alors on va pas donner peut-être toutes les adresses, les bonnes adresses de rencontres réseau qu'il y a sur le net, mais en cherchant bien, si Facebook regorge de personnes pouvant proposer ça. Facebook, Viadéo a un module très bien pour ça, avec des mots-clés donc, qui permettent de retrouver vraiment les événements par ville, par genre, que ce soit événement club business, événement blogueur. On a vraiment un module qui est pertinent pour trouver de l'événement quasiment tous les jours de la semaine sur Lyon. C'est ce que j'allais dire, Lyon, Paris, toutes les grandes villes font de la rencontre réseau au jour d'aujourd'hui, et puis on en trouve même à l'étranger, évidemment, il se passe beaucoup de choses dans les pays anglo-saxons où le réseau est né. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas lyonnais, si vous êtes lyonnais et que vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez toujours nous contacter. Si vous n'êtes pas lyonnais et que vous souhaitez rencontrer d'autres réseauteurs sur votre région, n'hésitez pas à aller sur internet et à checker, à faire les bonnes requêtes et vous aurez les bonnes adresses qui surgiront. Avant toute chose, avant de conclure, un dernier remerciement au Cabinet Finot et Associés à Brignais, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes spécialisé dans la création d'entreprises, si je ne me trompe. Voilà, donc un grand merci au cabinet de nous avoir reçus pour ce premier plateau. Grand merci à tous les trois, je dirais pas tous les quatre parce que je me mets dans le lot avec toi, voilà, n'est-ce pas Anthony? Donc merci à Catherine Chauffat, Club Crea'firm, merci à Eleonore Fourcine, naturopathe, et merci à Franck Chavet d'avoir participé à ce premier plateau, à Franck Chavet, Agice Conseil. Merci à toi Anthony Rochand, community manager de son état. Tout à fait. Voilà. Merci à toi. Eh ben, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et puis un petit mot quand même aux trois personnes que vous ne voyez pas sur cette image, parce qu'ils sont à la technique, mais en tant qu'ancien musicien, j'ai toujours mis un point d'honneur à remercier les gens qui font que les choses peuvent se faire. Alors je vous citerai pas les noms parce que je les ai pas en tête et j'ai pas envie d'écorcher les noms, mais je vais citer les intouchables, comme ça ce sera générique. C'est eux qui sont proches des sur plateau, ils nous ont aidés à préparer ces plateaux, ils ont fait toute la technique pour nous. Donc voilà, merci à tous les trois d'avoir pris de votre temps pour venir nous aider à faire ce premier plateau NTC. Merci à tous les trois, Benoît et Corentin. Voilà, exactement. Voilà, merci à tous qui nous ont suivis et puis on vous donne rendez-vous au prochain... pour la suite des émissions, la suite des programmes sur NetTV Channels. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Et merci.